Salut, si vous vous posez des questions sur le positionnement de votre blog ou de votre chaîne YouTube, alors vous allez vraiment aimer cette vidéo parce qu'aujourd'hui, on va se pencher sur un cas réel. On va regarder l'email que m'a envoyé une lectrice de Traffic Mania. Elle se pose des questions sur son positionnement et je vais tenter d'amener mon éclairage. Donc si vous aujourd'hui, vous vous posez des questions sur votre thématique, sur votre niche, mais également sur l'angle d'attaque, sur la manière dont vous allez aborder votre thématique, eh bien, vous allez ici avoir des pistes pour vous aider à résoudre ce problème. Alors déjà, c'est un problème qui est fondamental, le positionnement, parce que si vous le ratez, vous pourrez appliquer toutes les astuces trafic que vous voulez, vous pourrez dépenser tout l'argent en publicité que vous voulez, vous n'y arriverez pas tout simplement parce que vous ne répondrez pas à un besoin du marché. Corriger un positionnement, ce n'est pas facile à faire, donc il faut avoir une idée claire et nette dès le début pour éviter de se planter et de se ramasser un gadin sur à 99%. Donc regardons ensemble l'email de Pamela et voyons voir ce que cela nous apprend. Donc Pamela m'a envoyé ce message. « Bonjour André, je te suis depuis longtemps, je me pose des questions sur mon positionnement, j'ai regardé tes vidéos, donc voici ma niche. Je souhaite aider les jeunes femmes avec peu ou pas d'expérience dans le monde du travail, à mettre en place des stratégies pour gagner en leadership et s'épanouir dans leur vie professionnelle. » Donc, j'imagine que le but du blog de Pamela, c'est aider quelqu'un qui démarre un nouveau travail à se sentir mieux dans ce travail. Alors, il y a plusieurs soucis par rapport à tout ça, c'est que on se rend compte en fait que c'est assez vague. Est-ce qu'on est dans un blog qui aide les gens à trouver un travail et à avoir une promotion ? Est-ce qu'on aide les gens à mener des projets dans leur travail? Ou est-ce qu'on aide les gens à se sentir mieux dans leur basket? Et dans ce cas-là, on va être beaucoup plus proche d'un blog de développement personnel qu'un blog qui va vraiment traiter du monde professionnel. Donc déjà, on est dans une espèce de zone grise et c'est une première alerte par rapport à un problème de positionnement éventuel. Donc, je vais repasser ici en plein écran. Ah oui, attendez, il y a d'autres choses que je voulais vous dire. Je suis pas experte sur ce sujet, je suis ni RH ni coach. J'ai trois problèmes, donc je sais pas quel produit vendre, je me sens pas forcément légitime pour en parler, et je n'ai pas de mentor pour m'accompagner. Alors, que dire par rapport à tout ça? Je pense que le problème de Pamela, déjà, c'est pas que elle ne travaille pas dans les RH ou elle n'est pas coach certifié. Il n'y a pas besoin d'être coach certifié pour expliquer aux gens comment être plus performant dans leur travail. C'est pas un souci, vous pouvez tout à fait avoir une activité de conseil par rapport à tout ça sans être coach certifié. D'ailleurs, cette histoire de coach certifié, c'est un petit peu voilà, un peu du vent, un peu de l'enfumage. Ce qu'on va attendre de quelqu'un qui va parler de problématiques du monde du travail, c'est qu'il ait une expérience, une expertise, et que les conseils qu'il donne dans son blog permettent réellement aux gens de s'améliorer. C'est surtout ça, c'est le concret qu'on va regarder plus qu'un titre un peu pompeux, qui ne veut pas dire grand-chose. Et le souci, déjà, que reconnaît Pamela, c'est qu'elle se sent pas tout à fait légitime parce qu'elle n'a pas vraiment d'expertise sur le sujet. Donc, premier souci, un manque d'expertise, ça, c'est réellement un problème, mais ça peut se régler parce qu'on peut toujours acheter des bouquins, acquérir de l'expérience et se former. Le problème vraiment de fond, c'est pas vraiment un problème de compétence. Le problème vraiment de fond, c'est, selon moi, tout simplement, que cette idée ne répond pas à un problème précis pour les gens que Pamela veut aider. En effet, avoir du leadership, se sentir mieux dans son travail, ce sont des choses qui sont assez vagues, mais je ne vais pas créer un produit qui va s'appeler « Comment se sentir mieux dans son travail ». Je pense que ça pourrait être assez compliqué à vendre, et en tout cas, ça va être assez compliqué selon moi de vraiment toucher une audience. Donc le principal problème de Pamela, c'est que elle ne s'est pas adressée à un problème dans sa réflexion et donc elle a du mal à mettre un résultat en face. On va prendre un autre exemple et vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. Si vous créez un blog sur l'immobilier, c'est assez facile. Vous vous adressez à un problème qui est très simple à comprendre, qui est « je veux être plus riche, je veux avoir plus d'argent, je veux avoir des rentes, donc je veux investir dans l'immobilier ». Et donc, je vais vous montrer comment investir dans l'immobilier et améliorer la rentabilité de votre investissement. On a un problème qui est clairement identifié et on a un produit qui va répondre clairement à ce besoin. Pareil, si vous avez un blog sur le karaté, eh bien, vous allez vous adresser à des gens qui sont des pratiquants et vous allez leur vendre des produits qui vont leur permettre de progresser dans la pratique de leur sport. Un problème est clairement identifié, en tout cas un besoin est clairement identifié, et en face, on a un produit qui va vraiment correspondre à ça, ça va vraiment matcher. Dans le cas de Pamela,
on est dans quelque chose qui est beaucoup plus vague. On parle de leadership, de bien se sentir dans son travail, donc déjà ici c'est pas très bien défini, et forcément le problème ici sera pas très bien défini non plus. Donc en fait on va être dans une espèce de fusion de nuages, plutôt que des pièces qui vont s'emboîter comme un stylo qui va parfaitement s'emboîter avec son bouchon. Donc le conseil que je dirais à Pamela, c'est peut-être de s'orienter sur quelque chose qui est différent. Elle veut parler des gens qui vont rentrer dans le monde du travail. Pour rentrer dans le monde du travail, il y a un élément qui est important, peut-être pas nécessaire, mais qui compte néanmoins, c'est le diplôme. Et obtenir un diplôme, parfois, c'est très compliqué. Pourquoi ne pas aider alors les étudiants qui préparent tel BTS à réussir leur examen? On a un besoin, on a un produit qui est en face. Pourquoi ne pas aider des étudiants qui sont en première médecine, en première année de médecine, à réussir leur examen? Je sais que le business de la fiche de révision fonctionne bien, il y a des exemples célèbres sur Internet, et je connais moi-même personnellement deux blogueurs qui ont monté des business de révision de fiches d'étudiants dans des thématiques qui sont très très précises, et qui en vendent vraiment bien. Donc on a l'impression qu'on va s'adresser à un tout petit segment, mais en réalité il va y avoir un vrai taux de conversion, puisque si par exemple vous aidez les étudiants en droit à réussir le concours du barreau, effectivement vous vous adresserez pas à 1 million de personnes, mais vous allez vous adresser à suffisamment de monde pour générer plusieurs milliers d'euros de ventes chaque mois, alors que si vous parlez simplement de mieux se sentir dans son boulot, vous n'allez réellement convaincre personne, parce que vous vous adressez pas de façon assez spécifique aux problèmes que les gens rencontrent. Donc si Pamela voulait s'adresser aux gens qui sont dans le monde du travail, il faudrait, selon moi, aller vers quelque chose de beaucoup plus niché, par exemple, comment réussir à faire des macros Excel dans le cadre de son travail. Et on va créer des produits de formation et d'utilisation d'un logiciel, parce qu'en face, il y a un besoin. J'ai besoin de connaître Excel, je ne le connais pas assez, j'achète une formation sur le sujet. On pourrait également imaginer des produits dans le monde professionnel, sur l'anglais, voilà. Vous avez un projet à mener avec des équipes bilingues, ou alors vous avez des réunions à animer en anglais et vous n'êtes pas bon, il y a un besoin, j'ai besoin de m'améliorer en anglais, je crée une formation, comment s'améliorer en anglais ? Besoin, problème clairement identifié, donc produit facile à identifier. Et donc au travers de tous ces exemples, ce que j'essaye de vous montrer, c'est que réellement votre positionnement, c'est comme un stylo. Il y a le stylo en lui-même et le bouchon. Et il faut que cela matche de façon claire, nette et précise. Il faut que vous puissiez définir clairement un problème qui est vraiment spécifique, qui est vraiment bordé, limité, pour pouvoir mettre en face une formation. Il faut que ce soit vraiment un truc qui est carré, à angle droit, avec des pièces qui vont matcher complètement, plutôt qu'un truc un peu diffus, comme de la mousse, où on essaye de mélanger deux mousses entre elles, et au final, rien ne va en ressortir de concret. Et c'est une erreur qu'on voit extrêmement souvent dans le positionnement. Les gens se disent « Ah là là, alors pour cibler, alors je vais virer les hommes, je vais garder que les femmes, et pour cibler un peu plus, je vais cibler que les jeunes femmes, et pour cibler encore plus, je vais cibler que les jeunes femmes qui travaillent dans tel secteur. » Non. Ce qu'il faudrait faire à ce moment-là, c'est de dire « je vais cibler, par exemple, les graphistes freelance qui veulent développer leur chiffre d'affaires et je vais créer une formation « Comment gagner sa vie en étant graphiste freelance ». On ne parle pas d'âge, on ne parle pas de sexe, on parle d'un métier sur lequel il y a un besoin et sur lequel on va amener une solution. Besoin, solution, boum, ça match, pas de problème. Mais on n'est pas dans un truc un peu vague, avec des gens qui vont parfois travailler dans la grande distribution, des gens qui peuvent travailler dans des bureaux, des gens qui peuvent travailler dans l'industrie, des gens qui ont 25 ans, des gens qui ont 30 ans, des gens qui veulent faire carrière et des gens qui veulent pas forcément faire carrière. Bref, on a des trucs qui sont pas bien définis et ça va réellement jamais matcher. Donc en fait, définir son positionnement, c'est pas si compliqué que cela, à partir du moment où on se focalise sur un besoin qui est clairement identifié. Mieux se sentir dans son travail, pour moi, c'est pas un besoin qui est clairement identifié. Par contre, apprendre à se servir de tel outil dans son travail, oui. Apprendre telle compétence dans son travail, oui. Apprendre à développer ses ventes, oui. Et là, en effet, on peut créer des produits clairement qui correspondent à cela. Et ça correspondra aux besoins de quelques milliers de personnes. Et il n'y a pas besoin de répondre à un plus gros volume que ça pour gagner sa vie en ligne. N'oubliez pas, par exemple, que moi, j'ai gagné ma vie pendant 3 ans avec un blog qui était sur le tir sportif. C'est une activité qui est pratiquée par moins de 20 000 personnes en France. J'avais que 3 ou 4 000 personnes inscrites à ma liste et c'était suffisant pour payer mon loyer, mes factures, faire vivre une famille de 4 personnes en habitant à Lyon. Donc se dire, il faut que je trouve un problème qui est super large, qui va concerner des millions de personnes, c'est plutôt une mauvaise idée.
Parce que vous allez tellement diluer votre message que personne ne va se sentir assez concerné pour acheter. Donc Pamela, c'est très bien de se poser la question du positionnement et t'as raison de le faire avant de commencer à bloguer. Parce que ça serait la catastrophe si dans un an, dans deux ans, dans trois ans, tu te rendais compte que ton blog qui contenait alors des dizaines ou des centaines d'articles ne pourrait jamais rien vendre. Le seul conseil que je te donne, c'est tout simplement d'identifier un problème qui est spécifique pour pouvoir y apporter une réponse qui est spécifique. Et à partir du moment où ces deux pans, ces deux côtés sont clairement définis, où c'est pas flou, où il y a une vraie vision sur le type de produit, le type de problème, on peut dire que vous êtes sur une demande du marché et que votre positionnement sera normalement porteur. Voilà, donc ne retenez qu'une seule information, il faut que ce soit clair, net et distinct et que vous vous adressiez à des problèmes auxquels vous allez amener des résultats. J'espère que cette vidéo sur le positionnement vous permet d'éclaircir les choses. Une fois que vous aurez positionné votre blog, vous aurez besoin de trafic. Vous pouvez télécharger une formation trafic gratuite en cliquant sur le lien ci-dessous. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube afin d'être au courant de toutes les nouvelles publications sur ce média. Il me reste à vous souhaiter bon courage et bonne chance pour tous vos projets en ligne. Et à très bientôt sur Traffic Mania. Ciao !